Ouvrons à présent le registre des faits de société. Une jeune fille d'une vingtaine d'années aurait été assassinée par l'épouse de son petit ami. Le crime passionnel s'est produit la nuit dernière dans la commune urbaine de Cancan. Après l'interpellation de la présumée auteure de cet assassinat et son époux, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cancan a ouvert une procédure judiciaire tout en mettant en garde les personnes qui se livrent à des actes criminels dans la préfecture. Suivez Adrien Tambatolno, parent de la victime, et Marwan Baldé, procureur du TPI de Cancan, au micro de Souleymane Katoukamara. Il a promis encore épouser notre sœur. Pourtant, il ne l'a pas fait parce qu'aucun des parents de la victime ne le connaissait. Et c'est dans ce scénario. Alors, un jour, il a promis ici, il a demandé à notre sœur Stéoa de venir le trouver à Cancan ici, au quartier Cancan-Coura. Et puis notre sœur est venue nuitamment, voilà, avec la complicité des apprentis de Mori Camara. Alors, notre sœur était couchée, serait couchée dans la même chambre de Mori Camara. Et c'est de là-bas, les deux ont été surpris aux environs de 2h du matin par la femme de Mori Camara. Et puis, de là-bas, dès que la femme a tapé à la porte, Mori aurait ouvert la porte. Et puis lui, il a pris la fuite. Voilà. Sa femme était armée. Elle avait sur lui une arme blanche. Et puis elle s'est précipitée sur notre sœur, l'a poignardée. Et c'est là qu'elle a succombé. J'ai décidé de l'ouverture d'une information judiciaire pour procéder à l'approfondissement des enquêtes, procéder aux différentes auditions. Se transporter sur les lieux de crime, réunir les éléments consistants de preuve, à l'effet de voir s'il y a lieu de renvoyer. Ça, c'est l'intime conviction du juge d'instruction qui est déjà saisi.